Bonjour et bienvenue au sommet et maintenant, transformation et opportunités du nouveau monde. Aujourd'hui, j'ai le bonheur, la chance d'être avec un magicien. Ce magicien, c'est Christophe Godfrio. Bonjour Christophe. Bonjour Émilie. Tu vas bien ? Oui, je vais super bien et d'autant mieux que franchement, je me réjouis de toutes les pépites que tu vas nous partager parce que j'adore, un, j'adore les magiciens, deux, j'adore les histoires. Donc, je pense qu'on va passer un moment top de chez top. Alors, Christophe, toi, tu vas donc nous parler de la vie, un parcours de héros. Et tu es donc formateur en hypnose et en PNL et praticien en accompagnement. Évidemment, dans ce métier-là, tu utilises la PNL, l'hypnose et la maïeutique. Tes élèves ont choisi pour toi certains archétypes. On verra aujourd'hui, évidemment, ce que c'est un archétype, qui sont sans doute le reflet de ce que tu apportes dans leur vie. Et certains t'appellent le jardinier de l'humain et d'autres t'ont surnommé Merlin. Alors, je suis super fan parce que tout ce qui touche à Merlin, tu l'auras compris, au magicien à ce moment-là, j'adore. Et donc, en tant que conférencier, tu es également un des membres fondateurs de la journée de l'audace, un standard de la conférence presque aussi connu que TEDx. Et donc, Christophe, dis-nous un peu pourquoi est-ce que tu as décidé de participer, accepté de participer à ce sommet ? Écoute, je trouvais que l'idée de contribuer par ces temps où les gens sont peut-être dans une posture plus compliquée, plus confrontés à eux-mêmes, plus confrontés à parfois à leur vie d'intérieur. L'idée de contribuer à un sommet comme ça qui propose ça dans une démarche tout à fait saine, c'est-à-dire pas dans une démarche de récupération d'adresses pour faire du marketing, pas dans une démarche de vente, mais vraiment dans une démarche de générosité. Ben, ça correspond assez bien à qui je suis, en fait. Parce que, tu sais, moi, j'ai pas de page de vente, j'ai plus de site internet, j'ai plus que les réseaux sociaux avec lesquels je communique avec les gens. Et je crois vraiment à cette proximité et, à cette nourriture les uns, on se nourrit les uns les autres, tu vois. Et je pense que pouvoir s'inscrire dans cet échange d'une manière plus active et pouvoir transmettre, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Oui, c'est, je pense que c'est probablement effectivement l'un des points communs des intervenants qui sont dans ce sommet, c'est vraiment de simplement pouvoir transmettre à un moment donné quelque chose, un message qui les porte. Et c'est vrai que du coup, avant ce sommet, on s'était jamais parlé, mais ce qui m'est revenu des gens qui t'ont recommandé, c'était vraiment cette authenticité, cet alignement que tu incarnais. Et que tu pouvais apporter effectivement dans nos échanges c'est vraiment ce qu'on a partagé et c'est vraiment une très belle découverte. Donc déjà, anyway, merci pour ça, pour ce que tu m'as déjà apporté jusqu'ici. Mais c'est pas tout, on a un petit peu de taf là et une heure de pépites qui nous attend sur entre autres les archétypes. Et donc, est-ce que tu pourrais nous dire pour démarrer, si tu as, toi, des trucs et astuces, des routines, en fait, ton secret pour garder la pêche et la motivation dans cette période un petit peu délicate. Alors, ça va être un peu bizarre ce que je vais te dire, mais je découvre peut-être en cette période une partie de moi à laquelle j'ai moins accès en temps normal, puisque je suis beaucoup dans l'action, je suis beaucoup dans le partage, je fais plein de choses un petit peu dans tous les sens. Et cette période actuellement de confinement me met face à une partie de moi qui est peut-être plus méditative, peut-être plus cherchante. Je suis un cherchant, naturellement, je suis un cherchant. Et là, pendant cette période-là,
bah, cette partie-là de moi prend plus de place. Et donc, ce que je fais tous les matins, c'est j'ai un espèce de bouquin comme ça, tu sais, j'ai une série de livres dans lesquels il y a des jolies photos et des jolies citations avec des dates. Et ce que je fais chaque jour, c'est que je me nourris d'une pensée qui est issue de la sagesse de l'humanité quelque part, tu vois. Et donc chaque matin, comme un rituel, je vais me nourrir d'une pensée qui va animer ma journée. Et puis je fais aussi une petite méditation. J'ai un tarot des archétypes qui m'a été offert, tu vois. Et donc chaque matin, je vais chercher une carte avec des archétypes et je médite aussi sur les archétypes. Voilà. Donc mon énergie pendant ce confinement, elle est peut-être moins extérieure, elle est peut-être moins tournée vers le monde, elle est peut-être plus tournée vers moi-même, et c'est bien aussi d'être dans une énergie plus intérieure. Ça nourrit. En fait, tu sais, toute cette énergie de transformation à l'intérieur, se transformer soi-même et profiter des périodes peut-être un peu plus compliquées comme celle-ci pour continuer à se transformer soi-même, à grandir soi-même, ça permet aussi de rayonner et après de transformer le monde autour de soi. Ouais. C'est tu sais, ça me fait un peu penser à l'image de ce qu'on dit toujours dans les avions, mettre le masque d'abord sur toi avant de le mettre sur les enfants. Tout à fait. Tout à fait. Si tu meurs, si tu manques d'oxygène, si tu manques ici d'intériorité, comment est-ce que tu veux travailler avec les autres? Comment tu veux impacter les autres? Comment tu veux aider les autres à aller en quête de leur intériorité? Et dis-nous un peu pourquoi est-ce que tu as... Alors, je vais commencer par... Aujourd'hui, tu vas donc nous parler des métaphores et des archétypes. Est-ce que tu peux commencer par définir ce que c'est? Ouais. Alors, une métaphore, c'est une histoire. Une histoire qui peut prendre différentes formes, mais qui va venir d'une manière ou d'une autre nous toucher à l'intérieur, venir faire écho à l'intérieur de nous, venir susciter des forces de transformation, des forces de aller nous permettre de nous connecter à certaines énergies, aller nous permettre de dépasser certaines problématiques, de dépasser certaines visions, d'accéder à une autre réalité. L'archétype, par contre, c'est ce qui était là avant la forme. Donc, arché, c'est ancien. Hein. Donc, à la base de toutes les formes, il y a une énergie. Et en fait, l'archétype, c'est ce qui anime cette énergie. C'est-à-dire que si tu prends l'archétype du guerrier, qui est un archétype qu'on rencontre souvent dans la vie de tous les jours, eh bien, quel que soit le guerrier que tu vas aller solliciter, quelle que soit la culture dans laquelle tu es, quelle que soit, j'ai envie de dire, l'image que tu as du guerrier, tu vas aller quand même solliciter une énergie qui est commune. L'énergie du combat, l'énergie de l'adversaire. Hein, quand tu dis guerrier, il y a toujours un adversaire, il y a toujours un combat. Et donc, quand tu vas animer cet archétype, et peu importe ta culture, tu vas aller te connecter à cette énergie qu'il y a derrière l'image que tu envoies. L'archétype, c'est cette énergie qu'il y a derrière l'image. Et pourquoi est-ce que tu as décidé de parler justement aujourd'hui des métaphores et des archétypes dans ce sommet? D'abord parce que c'est une partie importante et de mon travail et de ma vie. C'est quelque chose qui est central dans mon travail. C'est quelque chose qui est central dans ma pratique de l'hypnose aussi. Hein. Quand j'accompagne les gens, j'aime beaucoup travailler avec les archétypes, j'aime beaucoup travailler avec les métaphores. Avant de travailler sur cette énergie des archétypes et des métaphores, il y a une chose qui est importante de replacer aussi, c'est la notion de symbole. Parce qu'on va parler de quête du héros. La quête du héros, elle commence avec la notion de symbole.
le symbole, si tu veux, dans l'étymologie, dans ce que ça veut dire au départ, c'est une pièce ou un morceau de poterie qu'on divisait, qu'on cassait et qu'on donnait à plusieurs personnes pour qu'une fois qu'elles sont réunies, elles puissent les mettre ensemble et se reconnaître. Eh bien, dans une quête de soi, dans une quête de héros, ce qu'on cherche, c'est tous ces morceaux de soi qu'on peut reconnaître. C'est tous ces morceaux de soi qu'on va rassembler de manière à aller vers ce que Jung appelait l'individuation, c'est-à-dire l'unité, l'entièreté. Et donc, on va chercher tous ces morceaux de soi épars à travers notre vie et on va les rassembler de manière à trouver en nous cette unité. Et quand on parle d'archétype et qu'on la lie à la notion de symbole, dans cette quête-là et au cours de notre vie, on va expérimenter différentes énergies. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, pour le moment, l'énergie que j'expérimente le plus, c'est celle du magicien. Parce que c'est celle dans laquelle, pour le moment, je découvre les parties de moi que j'ai besoin de découvrir. Mais avant ça, pendant la première partie de ma vie, j'ai beaucoup expérimenté l'énergie du guerrier. Et donc, peut-être que plus tard, j'expérimenterai d'autres énergies. En fait, nos énergies, de façon générale, elles sont liées. Peut-être que tu as déjà vu, tu connais le dieu Janus, c'est un dieu romain à double face. Une face tournée vers le passé, une face tournée vers l'avenir. Eh bien, les archétypes, c'est un peu pareil. On est dans le présent, on est là au milieu de ces deux faces et on vit dans le présent avec une face tournée vers l'enfance et vers tous les archétypes de l'enfance, ce qu'on appelle le puer eternus, donc l'enfant éternel, hein, l'enfant intérieur, mais qui peut prendre la figure de l'innocent, qui peut prendre la figure de l'orphelin, qui peut prendre la figure du fripon, du bouffon, de celui qui vient amener du chaos, semer un petit peu la cisanie. Et puis de l'autre côté, on a l'archétype du Sénex, de l'ancien. Et à travers ça, on a effectivement celui du magicien, on a celui de l'alchimiste. Et plus tard, vraiment déjà plus réalisé dans ce qu'on appelle l'individuation, hein, la recherche de l'unité, on a ce qu'on appelle le vieux sage. Le vieux sage qui est en fait la partie de nous qui a déjà une idée de ce que c'est cette unité, qui a déjà une idée de ce que c'est la totalité et qui va, en quelque sorte, un petit peu comme les bodhisattvas dans le bouddhisme, hein, les bodhisattvas qui sont des gens qui ont accédé à l'état de Bouddha et qui reviennent pour informer les gens de ce qu'est le chemin vers l'état de Bouddha. Et ben pareil, en nous, il y a ce vieux sage qui est un archétype qui porte en lui l'énergie de la totalité et qui va venir nous informer, nous donner des éléments sur ce que c'est cette énergie de la totalité. Voilà. Et j'ai deux questions. La première, c'est est-ce qu'il y a un certain nombre d'énergies, parce que tu en as cité deux, tu as cité celle du magicien et celle du guerrier. Quelles sont, est-ce qu'il y en a, tu vois, je ne sais pas, est-ce que, comme dans la quête du héros, tu as X phases, hein, j'imagine qu'on le verra un petit peu plus tard. Est-ce qu'au niveau des énergies, tu en as un certain nombre aussi qui sont identifiés, ou c'est un peu comme les émotions, il y en a une infinité? Et deux, une bête question, la différence entre un magicien et un alchimiste. Alors, des archétypes, il y en a plein. Il y en a plein, et si je pars sur le système de Jung, il y a déjà l'archétype de l'unité. Certains l'appelleront Dieu, certains l'appelleront, je ne sais pas, le Tao, certains l'appelleront le grand architecte de l'univers. Il y a plein de noms pour cette unité. Peu importe le nom qu'on lui donne, ça reste un archétype, cette unité. Après, il y a les archétypes du masculin et du féminin, ce que Jung appelait l'anima et l'animus. Donc, en nous, moi je suis un homme, j'ai en moi une partie masculine, une partie féminine. Et donc, ces archétypes masculins et féminins, on va pouvoir les développer, et on les retrouve à travers l'histoire. Hein. Par exemple, si tu veux, on prend l'archétype de la grande mère, de la grande déesse, on la retrouve dans les cavernes sous le visage de Déméter,
On va la retrouver dans l'Égypte ancienne sous le visage d'Isis. On va la retrouver dans le christianisme sous le visage de la Vierge Marie, mais toutes les Vierges Mères, de manière générale, sont l'image de la grande déesse. Je pense à celle-là, mais il y en a plein d'autres. Donc, il y a plein d'archétypes, plein d'énergies qui viennent nous animer et qu'on peut retrouver, donc anima, animus. Il y a aussi l'énergie de l'ombre. L'ombre, c'est tout ce que nous n'aimons pas en nous. Toute la partie de nous que nous n'aimons pas voir. C'est la face cachée de la lune. En fait, tout objet exposé à la lumière a une face qui n'est pas exposée à la lumière. Et tout être exposé à l'unité a une face qui est exposée à la division. En fait, je parlais de symbole. L'inverse de symbole, c'est ce qu'on appelle le diabole. Diabole, on entend diable. Diabole, c'est tout ce qui est division, tout ce qui est déchiré, tout ce qui n'est pas en recherche de l'unité, tout ce qui est à épars, tout ce qui est à rassembler. Et donc, dans cet archétype de la nuit, de l'ombre, on va retrouver tout ça, toutes ces parties de nous qu'on n'a pas envie de voir, qu'on n'a pas envie de chercher, dont on n'est pas fier, d'accord ? Et puis, à l'inverse, il y a ce qu'on appelle l'anima. L'anima, c'est tous ces masques qu'on va montrer aux gens autour de nous. C'est tout ce qui nous cache nous-mêmes, tout ce qui cache le moi, l'ego. Ego, moi, c'est la même chose, hein, c'est jeu. Et donc, l'ego, le moi, il est caché derrière cet anima, tous ces masques qu'on va opposer à l'autre. Donc ça, c'est déjà tous les archétypes de base. Maintenant, il y a toutes les énergies individuelles, comme je te disais, celle de l'enfant, celle du fripon, et puis il y a celle, tu me disais, tu parlais de magicien et de l'alchimiste. La différence entre le magicien et l'alchimiste, c'est la suivante. Le magicien utilise les lois de l'univers autour de lui. C'est-à-dire que avec les lois, c'est un petit peu, tu sais, comme quand une rivière coule et il y a des gens qui vont mettre un moulin ou il y a des gens qui vont faire un bief, faire une déviation pour profiter de cette énergie de l'eau. Eh bien, le magicien, il fait ça. Le magicien, il met un moulin sur la rivière ou il met une dynamo sur la rivière. Il profite de courants d'énergie qui existent déjà pour les tourner à son avantage. L'alchimiste, lui, il va amener la lumière dans la matière la plus dense. C'est-à-dire que l'alchimiste, il ne transforme pas la matière, il transmute la matière. Et transmuter la matière, c'est amener la lumière au cœur de la matière. Et donc, le travail de l'alchimiste, c'est faire pénétrer la lumière. Voilà. Ok. Merci. j'ai encore une question. Est-ce que le symbole n'est-il pas constitué de diabole ? C'est intéressant parce que c'est très ontologique. Ta question est très ontologique. Ontologique dans le sens où ça fait partie de l'ensemble de l'être. Mais oui, bien sûr. L'un ne fonctionne pas sans l'autre. La nuit ne fonctionne pas sans le jour. Le masculin ne fonctionne pas sans le féminin. L'homme se cherche à travers les antagonismes, à travers les opposés. Et donc, oui, le diabole est au service du symbole. Avant de rassembler, il y a une division. Il y a quelque part cette... Quand on est complètement divisé et qu'on est dans l'archétype de l'innocent, par exemple, l'innocent, c'est celui qui n'a pas encore commencé l'aventure, c'est celui qui n'a pas encore commencé la quête. C'est celui qui est inconsciemment incompétent. C'est-à-dire que il est dans le monde et il ne sait pas qu'il y a des morceaux de lui partout. Il ne sait pas qu'à travers sa vie, il a la possibilité de se retrouver. Il ne sait pas qui il est et ça lui manque pas.
À partir du moment où tu prends conscience de ce que c'est le symbole, ben évidemment, tu prends aussi conscience du diabole. À partir du moment où tu prends conscience de l'unité, tu prends également conscience de la division. Maintenant, la question, c'est sur quoi est-ce que tu vas concentrer ton énergie? Est-ce que tu vas te mettre en quête vers l'unité? Ou est-ce que tu vas te dire, mon Dieu, je suis divisé, je suis morcelé, je suis splitté? Tu vois, c'est ça la différence. Sur quoi tu concentres ton énergie? Est-ce que tu vas donner ton énergie à la division? Ou est-ce que tu vas créer? Est-ce que tu vas avancer vers l'unité? Merci pour cette belle explication. C'est gentil. Il faut quand même savoir que Christophe ne sait absolument pas les questions que je vais lui poser, en tout cas pour ce genre de choses, parce que je les découvre en même temps que vous. Donc, je chemine en même temps que vous. Et je trouve que c'est une thématique absolument, absolument passionnante. Et est-ce que tu pourrais me dire en quoi finalement les archétypes et les métaphores éclairent ce qu'on vit aujourd'hui? C'est surtout avec quelle énergie on va vivre. C'est surtout avec quelle énergie on va choisir de vivre cette épreuve, ce temps. Depuis le départ, si tu suis un petit peu les infos, Emmanuel Macron, en France, a dit « on est en guerre ». On est en guerre contre le virus. Là, il a vraiment mis en route cette énergie du combat. D'accord ? Alors, quand on met en route cette énergie du combat, cette énergie de la guerre, on suscite, on crée, on anime différents archétypes. Celui du guerrier, bien sûr. Celui du héros aussi, celui du traître, celui du lâche, celui du collaborateur. Tout ça, ça fait partie de l'énergie qu'on anime quand on fait référence métaphoriquement à la guerre. Donc, à partir du moment où il suscite cette image, cette métaphore, et les gens y adhèrent, ben les gens ils vont essayer de rentrer dans une case par rapport à cette métaphore, se laisser animer par une énergie. Et là, on se rend compte que c'est encore moins simple que d'habitude. Pourquoi ? Parce qu'il y a un deuxième message derrière qui est très incapacitant, c'est aujourd'hui, les guerriers, les héros, c'est ceux qui ne font rien, c'est ceux qui restent chez eux. Pour gagner le combat, il ne faut pas combattre. Sauf que il y a quelque chose qui a échappé, j'ai envie de dire, à toute cette dynamique, c'est que les gens qui ont besoin de héros, qui ont besoin de figures héroïques pour avancer, ne se sont pas reconnus comme héros à partir du moment où ils restent à la maison. Mais ils ont projeté cette image, cette énergie du héros sur les soignants, sur tous ces gens qui sont vraiment en première ligne face au virus, tu vois. Mais il reste cette énergie de guerrier, cette énergie de combat, cette énergie héroïque. Alors, évidemment, quand on est dans une dynamique de guerre, quand on est dans une dynamique de combat, on a forcément un adversaire. Et c'est un petit peu pernicieux cette idée d'avoir un adversaire, parce que je ne sais pas si tu as déjà fait un peu de fitness ou des trucs comme ça. Le principe de la musculation, c'est la résistance. On renforce ce contre quoi on résiste. Quand on met quelque chose en opposition, on lui donne plus de force. Évidemment, on ne donne pas plus de force au virus. Le virus, il a sa force. Mais par contre, on donne plus de force à son impact. On donne plus de force à son impact par la peur, par l'aura, par l'image. En fait, si tu veux, ce virus, il est déjà suffisamment impressionnant en tant que tel. Mais plus on va mettre
la lumière dessus, plus ça va projeter. Tu sais, tu as sûrement joué à ça aussi quand tu étais petit avec une lampe de poche, avec les mains et tout. On faisait des ombres chinoises sur les murs. Moi, j'ai beaucoup fait ça. Tu as ta petite main de gosse qui est devant la lampe torche. C'est une petite main de gosse. Mais sur le mur, c'est un gros monstre. Eh bien, c'est pareil. En mettant cette énergie d'opposition, en mettant l'énergie dans le combat, en disant ce qu'on doit faire maintenant, c'est combattre, on met ce virus devant la lampe torche et on en fait quelque chose d'hyper monstrueux et on renforce encore son impact en termes de peur, en termes d'ombre. Voilà, ça c'est ce que fait l'énergie guerrière, l'énergie du combat. Maintenant, évidemment, cette énergie du guerrier, voilà, elle a ses pour, elle a ses contre. Évidemment, elle suscite une énergie très forte, mais il y a d'autres énergies qu'on peut utiliser, d'autres archétypes qu'on peut utiliser, qui suscitent aussi une énergie vraiment, vraiment très très forte. C'est celle que tu utilises, par exemple, en créant ce sommet. Hein. C'est plutôt l'énergie du magicien. Tu vas profiter de l'énergie de l'époque pour venir vraiment détourner cette énergie et nourrir les gens, leur permettre d'accéder à des ressources en eux. Et ça, c'est vraiment l'énergie du magicien. Maintenant, une troisième énergie, puisqu'on était dans celle-là principalement, une troisième énergie qu'on peut utiliser et qui peut être vraiment bien dans cette période, c'est l'énergie de l'alchimiste. L'énergie de l'alchimiste, c'est comment, dans cette période de ténèbres, venir apporter de la lumière dans nos moments de vie, dans ce qu'on vit. Évidemment, toutes ces énergies-là, elles ont un côté lumière, elles ont un côté ombre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu focalises sur le thème de la guerre, tu vas renforcer l'opposition. Si tu focalises sur le thème de l'énergie, de la captation de l'énergie, de la transformation de l'énergie, tu vas avoir aussi quelque part des résistances. Quand tu vas focaliser sur amener la lumière au cœur des ténèbres, tu vas avoir à certains moments plus de présence des ténèbres, tu vois. Donc, chaque énergie que tu suscites, évidemment, va aussi animer son contraire. Hein, et donc, ça, c'est… Il y a certains moments où il faut pouvoir chevaucher le chaos, tu vois. Parce que, quelle que soit l'énergie que tu emploies, ou quelle que soit l'énergie que tu animes, c'est pas toujours aussi évident. C'est pas toujours aussi lumineux. On n'est pas toujours dans la lumière du soleil. Parfois, on est dans la pénombre de la lune, tu vois. Et donc, du coup, tu parlais tout à l'heure de tout ce qui est plutôt introspection, parce que c'est vrai que tu as pas mal de gens qui finalement, par choix ou par non-choix, parce que ça se présente, parce que pour certaines personnes, c'est vraiment vivre avec un miroir. Enfin, je veux dire, si tu es seul, si tu es confiné seul chez toi, tu es en tête à tête avec toi-même pendant quand même pas mal d'heures. Alors, tu peux te distraire, tu peux regarder des séries, des épisodes, mais il y a quand même bien un moment donné où tu es face à toi-même. Et donc, il y a ceux qui le font par choix, parce que justement, c'est une accalmie qui était, je pense, demandée. Hein. Il y a beaucoup de… Alors, je ne vais pas dire que tout le monde a co-créé ça, bien que, encore une fois, de toute façon, ce qui est dit et échangé ici, c'est la vie… c'est nos avis par rapport à ce qu'on vit, à ce qu'on a pu découvrir. Vous prenez dans ce qui est dit uniquement ce qui vous arrange, hein, comme dans chaque interview de ce sommet. Et donc, ce que j'essaie de dire, c'est que il y a cette énergie qui est celle de l'introspection, c'est-à-dire profiter de ce moment d'accalmie, on va dire imposé, pour aller voir en soi ce qui s'y passe, et pour prendre le temps justement de gérer, s'asseoir en soi. Mais c'est un peu ça, c'est de voir un peu ce qui vibre, ce qu'on ressent, ce que ça interpelle. C'est un peu de la spéléologie personnelle. Et puis tu as effectivement on se retrouve face à soi, contraint et forcé, je dirais. Et donc, par rapport aux énergies que tu as citées, où est-ce qu'on pourrait ranger, classer, à quoi correspond finalement cette énergie, cet archétype? Et ma deuxième question, c'est est-ce que ce serait celle
de l'alchimiste, point d'interrogation, qui met en lumière certaines choses. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis. Je vais d'abord répondre à ta première question. Quelle énergie ça anime quand on est dans cette introspection et que parfois, il y a des gens qui la vivent plus facilement que d'autres. Si tu prends la rivière, c'est un bel archétype qu'on peut utiliser, l'eau, la force de l'eau, la chute d'eau, le fleuve. C'est une force monstrueuse. C'est un petit peu la force de ce courant qui nous emporte pour le moment. On n'a pas le choix par rapport à ça, je veux dire. On n'a pas le choix de se laisser emporter par le courant. Il est mondial, il touche tout le monde. La question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire de cette énergie-là? Est-ce qu'on va lutter contre? Auquel cas, on va se faire mal. On ne peut pas lutter contre une force formidable comme ça. On va se faire déchirer, tu vois? On va s'épuiser. Remonter le courant dans un cas pareil, c'est suicidaire. Y a plein de gens qui ne supportent pas d'être confrontés à eux-mêmes. C'est ces gens-là qu'on voit dehors tout le temps. C'est ces gens-là qui ne respectent pas les confinements, qui veulent se retrouver dans des endroits où il y a du monde. Tu sais, il y a des gens pour qui le silence est insupportable. Il y a des gens pour qui se retrouver face à soi-même, c'est une épreuve terrible. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que il y a un problème d'estime de soi. L'image qu'on a de soi, elle n'est pas bonne. Elle n'a pas été construite. Elle est abîmée. Parfois, on a fait des choses dont on n'est pas fier. Et quand on se retrouve confronté à ça, eh ben oui, c'est compliqué. Mais on a tous fait des choses dont on n'est pas fier, d'accord ? La différence, elle est dans comment on va les traiter. On a tous des parties de soi qu'on n'aime pas. La question, c'est est-ce qu'on va les regarder ou est-ce qu'on va continuer à les laisser dans l'ombre ? Est-ce qu'on va apporter de la lumière ou est-ce qu'on va continuer à nier tout ça, à les cacher sous le tapis ? Évidemment, c'est une opportunité d'avancer. Tout le monde n'est pas prêt à saisir cette opportunité-là. Ou en tout cas, tout le monde n'est pas prêt à se retrouver en permanence face à soi. Peut-être que c'est bon de le faire par petites touches. Peut-être que c'est bon de prendre des petits rendez-vous avec soi quand on n'y est pas habitué et ne pas directement être confronté à une présence à soi qui est envahissante, qui est très, très présente. Parce que là, évidemment, c'est compliqué. Alors, tu disais, quelle énergie est-ce qu'on anime quand on est dans ce travail, dans ce type de travail-là? Eh bien, oui, c'est marrant parce que, tu sais, Carl Gustav Jung, à la fin de sa vie, a beaucoup travailler sur l'énergie de l'alchimiste qu'on va susciter quand on regarde dans ces ténèbres, quand on apporte de la lumière dans ces ténèbres, quand on fait reculer l'ombre. Il y a plusieurs étapes à l'alchimie. La première étape qu'on va atteindre, c'est ce qu'on appelle l'œuvre au noir. C'est l'œuvre de putréfaction. On regarde les ténèbres et on est confronté aux ténèbres. On regarde à l'intérieur, on est confronté à toute cette noirceur, à tout ce qu'on n'aime pas, à toutes ces divisions, à tout ce diabole, à tout ce qui est. Et d'ailleurs, il faut séparer tout ça. Pourquoi ? Parce qu'en séparant, on peut identifier. On va identifier tous ces morceaux séparés en nous. Et puis, la deuxième partie de l'œuvre alchimique, c'est le mariage alchimique, c'est-à-dire que ces contraires, au lieu de les opposer, au lieu de les mettre dans une énergie d'opposition et de guerrier, on va les mettre dans une énergie de danse et de co-construction. Tu sais, un petit peu comme une hélice d'ADN.
Si les rubans d'ADN étaient séparés, ça fait, on explose. Et là, les rubans d'ADN, ils viennent se mettre l'un avec l'autre et ils dansent l'un avec l'autre. Et donc, les noces alchimiques, c'est un peu ça. On a les opposés au départ, on a ce qu'on combat, et on va séparer toutes ces énergies de combat et on va les rassembler dans une espèce de danse qui va nous emmener plus haut. En fin de compte, qui va faire sortir toute cette énergie noire de la matière et qui va permettre à la matière de remplacer toute cette énergie noire par la lumière. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces, tu vois, dans cette énergie justement du guerrier, parce que tu as, arrête-moi si je me trompe, hein, tu as quelque chose de l'ordre de, forcément, enfin, de la colère, du combat. Est-ce que du coup, tout ce qui est les peurs sont aussi dedans ? Enfin, tu vois, quand tu dis faire un nœud ou une danse, hein, tu vois, mettre tout ensemble pour le transmuter en créer quelque chose. Est-ce que, la question derrière la question, c'est du coup, on sait qu'il y a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress actuellement. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, on peut transformer toutes ces énergies-là avec la colère, avec l'émotion de la colère, sans doute de l'injustice aussi, la privation de liberté. Donc il y a vraiment beaucoup, je pense, si c'est ça l'énergie du guerrier, je pense que c'est effectivement très chargé actuellement. Et donc voilà, est-ce que c'est toutes ces émotions-là qu'on peut d'une manière ou d'une autre transmuter ? Première question. J'aime bien, t'as remarqué, j'aime bien les questions à l'escalier. Deuxième question, comment peut-on faire ? D'abord, les émotions sont des messagers. Les émotions, elles viennent juste nous informer. D'accord ? Évidemment, quand on va prendre une métaphore, quand on va prendre une image, on va se connecter à certaines de ces énergies plus facilement. Mais fondamentalement, qu'est-ce qui se passe ? La colère, elle vient nous dire, là, notre cadre n'est pas respecté. On a quelque chose au niveau de nos valeurs qui est touché. Et contre lesquels on doit nous informer sur une coupure de lien. Il y a un lien qui s'est coupé. Il y a quelque chose qui n'est plus à sa place. La peur, elle vient nous informer sur une situation de danger potentiel. Elle vient nous préparer soit avec la colère à aller agresser, soit à la fuite. Donc ça, c'est les trois énergies qu'on va peut-être le plus expérimenter pour le moment. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard parce que on est dans un travail de deuil. On est dans un travail de deuil parce que il y a eu un choc. Le choc, ça a été ce confinement, cette décision de confinement. C'est un changement dans notre vie qui est violent. Par rapport à ce changement, la première chose qu'on va faire, donc dans tout travail de deuil, on a un petit peu les mêmes phases qui vont se mettre en place. Évidemment, on constate qu'elles se mettent en place à différents niveaux et on constate qu'elles se mettent en place à différentes vitesses. La première, c'est le déni. Ouais, non, c'est qu'une mauvaise grippe, ça va passer dans un mois. Mais moi, j'étais là-dedans aussi, hein, d'accord ? Faut bien, on passe tous par ces phases-là. Donc au début, je dis, ouais, ils en font des histoires de leur coronavirus, mais fondamentalement, ça ne va pas durer. Une fois qu'on a compris que ça allait un petit peu plus durer et qu'on est confiné, on essaie le marchandage. Ok, marchandage, je vais juste sortir, mais un petit peu de temps en temps, quoi, hein. Je vais éviter trop de confrontations, mais allez, on va essayer de trouver un équilibre. Et puis, le confinement avance, on ne peut plus sortir que pour les tâches importantes. Il y a la colère qui va faire place, mais où est ma liberté ? On veut me priver de ma liberté,
le gouvernement met en place une politique liberticide, c'est pas possible. Et puis ce virus, moi je n'en veux pas. De toute façon, je vais me battre contre. Donc colère. Et puis quand on comprend que bah, ce virus tout seul, on peut pas y faire grand chose. Que cette privation de liberté, bah oui, elle est là, mais quelque part, elle est utile. Au fait d'éviter la propagation et au fait de reprendre le contrôle de cette courbe ascendante de contagion, on va entrer dans une phase un petit peu plus de marasme, de tristesse, qui pour certaines personnes peuvent aller jusqu'à la dépression. Et puis à un moment donné, comme dans toute phase de deuil, on va se dire, ok, la vie, elle ne sera plus jamais comme avant. Il y a eu un avant-corona, il y aura un après. Il y a eu un monde avant, il y aura un monde après. Alors, certains fantasment déjà sur le monde d'après en se disant, on va vers un monde meilleur, machin, ça va être mieux, tout ça. Bullshit. Il y aura des choses qui vont changer. Il y aura des choses qui seront mieux, il y aura des choses qui sont pires. Et de toute manière, les solutions qu'on apporte aujourd'hui sont des solutions aux problèmes d'aujourd'hui, mais les solutions qu'on apporte aujourd'hui seront probablement les problèmes de demain. Parce que le monde bouge, parce que le monde est changement, parce que le monde est mouvement, et qu'à un moment donné, ben, quand on repousse les limites, à un moment donné, on se retrouve de toute façon de nouveau confronté aux limites. Et à chaque fois qu'on se retrouve confronté aux limites, on peut se dire, ok, soit cette nouvelle limite-là, elle est là pour m'empêcher d'avancer, soit elle est là pour m'apprendre à sauter plus haut, à creuser, à contourner, à trouver des solutions, à m'adapter. D'accord ? Mais les solutions qu'on met en place aujourd'hui seront bien souvent les problèmes de demain, en tout cas. Mais en tout cas, il y a cette énergie de transformation. On va réintégrer tout ça et on va recommencer une vie différente. Ni mieux, ni pire. Différente, qui tient compte de tout ça. Et ta deuxième question, c'était comment est-ce qu'on peut profiter de... Transmuter finalement toutes ces énergies en lumière. Comment est-ce qu'on peut jouer à l'alchimiste en fait ? D'abord, en ne refusant pas de faire face à cette énergie. En se laissant emporter par le courant. Tu sais, on sait que les gens, quand ils tombent à l'eau, il y a quand même plus de chances qu'ils survivent s'ils se laissent emporter et s'ils se laissent flotter jusqu'à la berge que s'ils essayent de faire face à cette force formidable de l'eau que de toute façon, ils ne pourront pas contrer. Et donc, il y a effectivement une forme de lâcher prise à aller chercher. Le lâcher prise, c'est pas ne rien faire, c'est accompagner le mouvement. C'est ne pas être dans cette énergie d'opposition, mais vraiment dans une énergie où, voilà, on va, tu sais, je fais des arts martiaux depuis plus de 40 ans. On sait que si on oppose la force à la force, c'est toujours le plus fort qui va gagner, et qu'on finit toujours par tomber sur plus fort que soi. Par contre, on peut aussi aller chercher d'autres énergies, celle de la souplesse, celle de la précision, celle de la rapidité, celle de l'évitement, celle de l'accompagnement. Si on utilise l'énergie et que comme en Aïkido, on l'accompagne, on utilise cette formidable énergie et qu'on l'accompagne dans son mouvement, eh ben, on va détourner cette attaque. Elle ne va pas nous faire du mal à nous. Mais elle va nous permettre d'apprendre un nouveau mouvement. Un nouveau mouvement, j'ai envie de dire, un nouveau mouvement salvateur. Un nouveau mouvement qui va nous permettre de nous positionner dans cette énergie d'opposition. Et ben évidemment, il n'y a pas vraiment de recette toute faite à ça, tu sais, parce que chacun est différent, parce que chacun est à un chemin différent, parce que chacun est à un endroit différent de son chemin. Et que donc, bien sûr, il y a de grandes lignes qu'on peut tracer. Mais dans ces grandes lignes-là, on ne peut pas apporter vraiment de réponse.
Ce qui est intéressant d'ailleurs, ce n'est pas d'apporter des réponses. Ce qui est important, c'est sans doute plus d'amener les bonnes questions. Les questions qui vont mettre les gens en dynamique, les questions qui vont mettre les gens en mouvement par rapport à eux-mêmes. Apporter des réponses, c'est jamais que tes réponses que tu apportes, c'est jamais que les réponses qui correspondent à ton chemin à toi, c'est jamais que les réponses qui correspondent au chemin que tu as déjà fait. Et donc, c'est des réponses qui ne correspondent pas à l'autre. Il y a quelque chose de, un truc formidable qui m'a marqué quand j'ai découvert et qui me marque encore aujourd'hui. Il y a quelques années, je vois un article sur Internet, un gars en Afrique qui avait inventé, tu sais, les gros tonneaux à eau de pluie, les gros tonneaux de 150 litres, bleus comme ça. Sur base de ces tonneaux-là, il avait créé un espèce de rouleau de jardin. Et en fait, les gens, au lieu d'aller faire 10 fois le chemin jusqu'au puits, parfois 2 ou 3 kilomètres, en ramenant 10 litres sur leur tête, ben ils partaient avec ce bidon-là vide, ils revenaient avec 100-120 litres de flotte, et s'ils devaient se mettre à deux pour le tirer, c'était pas grave. Mais ils roulaient l'eau au lieu de la porter. Ça, et ils en amenaient beaucoup plus. Le gars a trouvé cette solution, et je trouvais cette solution géniale. Je dis, mais c'est formidable. Oui, mais moi, j'aurais jamais pu amener cette solution-là. Pourquoi ? Parce que le problème de ce gars-là, c'est pas mon problème. Moi, j'ai qu'à ouvrir le robinet pour avoir de l'eau. Pourquoi j'aurais pensé à ça alors que c'est pas ma limitation? Chacun va trouver un problème là où est sa limitation. Et donc, ce qui est intéressant, c'est pas d'apporter des réponses, c'est de poser les bonnes questions. Oui, c'est une des choses que, effectivement, je dis et que je me répète souvent, c'est qu'en fait, c'est pas tellement la réponse aux questions que tu apportes qui est intéressante, parce que c'est une réponse parmi des millions qui existent, et c'est une réponse à un moment donné, en fonction de tes croyances, de ton vécu, de comment tu t'es levé le matin, et probablement du choix des habits que tu portes. Et tandis que vraiment avoir cette capacité de se poser toujours des questions, de revenir en position macro et de prendre de la distance. Je rebondis sur ce que tu disais. Enfin, il y avait deux phrases vraiment qui me viennent en tête, qui en fait veulent dire la même chose, mais je trouve qu'elles sont. C'est des portes d'entrée différentes. C'est tout ce à quoi tu résistes persiste. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Et une autre phrase que j'aime beaucoup, que ma très chère amie Cathy Van Andrich dit souvent, c'est la souffrance provient de la résistance à ce qui est. Bien sûr. Bien sûr, quand tu prends cet archétype, cette métaphore de la rivière et de toute la force qu'elle charrie, il y a plus de souffrance à résister qu'à se laisser porter par le courant. Tu vas solliciter tes muscles de manière à avoir mal pendant encore plusieurs jours après si tu survis. Tu vois, tu vas rester marqué, tu vas rester épuisé par cette lutte. Et effectivement, cette résistance, elle peut être vraiment très, 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 très nocive. Mais d'une autre façon, on dit apporter des réponses. Ce que je disais, c'est apporter des réponses, c'est pas adéquat parce que ça n'apporte pas la réponse dont la personne a besoin, ça apporte ta réponse à toi. Un problème qui n'est pas le tien. C'est ce que font depuis toujours les religions, c'est apporter des réponses toutes faites à des problématiques, c'est apporter. Tu sais, en fait, les réponses toutes faites, elles viennent répondre à nos peurs. Elles viennent répondre à nos peurs, elles viennent apporter, mettre des cataplasmes sur des jambes de bois quelque part. La question, c'est inconfortable. La question, elle nous laboure, elle nous laisse ouvert, elle est inconfortable, elle est dérangeante. Il y a des questions auxquelles on ne trouve jamais de réponse. Et je pense vraiment que la question, elle n'est pas là pour apporter des réponses.
La réponse dans une question, elle est secondaire. La question, elle est là pour nous mettre en mouvement, pour nous mettre en dynamique. La question, elle est là pour... Elle est là pour nous mettre dans le mouvement de l'univers. Alors que la réponse nous tue. La réponse, elle nous trouve statique. Chaque réponse qu'on a, à chaque fois qu'on a une réponse à laquelle on s'accroche, on a une période d'arrêt, on a une période de contentement, on a une période de confort. Ce confort, bien sûr, il a quelque chose de confortable, sinon on ne l'appellerait pas confort. Mais quand on est dans le confort, on n'évolue plus, on ne progresse plus, on ne grandit plus. On est juste dans le confort. C'est utile d'y être parfois. Hein. C'est pas, je ne critique pas le confort. On a besoin d'être parfois dans sa zone de confort. Mais il faut savoir que dans la zone de confort, il ne se passe rien. On est juste dans le confort. Et les réponses, elles nous mettent là-dedans, elles nous mettent dans le confort. Alors oui, la question est beaucoup plus inconfortable. Mais la question porte des germes de vie en elle. Et donc, je n'ai pas pour objectif d'apporter des réponses. J'ai surtout pour objectif de poser questions et de susciter des questions. Je pense que si déjà là j'arrive à susciter des questions, à mettre des gens en mouvement, c'est énorme. Et comment est-ce qu'on peut choisir en conscience justement le rôle qu'on a envie d'avoir ? Comment choisir le héros qu'on a envie d'être ? En expérimentant les différentes énergies, tiens, j'ai un exercice pour toi. J'ai un exercice. Et cet exercice-là, tiens, je te propose de le faire en même temps que nos amis. Tiens. Je te propose de fermer les yeux, peut-être, de prendre quelques grandes respirations. Et puis d'imaginer que tu marches comme ça à la nuit tombée, le long d'une rivière, à la lisière d'une forêt. Et puis qu'à un moment donné, le sentier s'enfonce plus avant dans la forêt. Et tu t'attends à trouver quelque chose de noir, quelque chose de dense. Et en même temps, non, parce que là, devant toi, à quelques dizaines de mètres, tu vois un espèce de feu de camp. Et tu t'approches du feu de camp et là, tu te mets en observation. Et autour du feu de camp, tu vois qu'il y a des enfants. Il y a des enfants qui font les fous. Il y en a même un qui reste un petit peu à part, qui observe. Il y en a un qui jette des choses dans le feu, qui joue avec les branches. Puis à côté de ça, tu as des guerriers, des guerrières. Tu as des magiciens, des magiciennes. Tu as des alchimistes. Et puis des tas d'autres gens aussi. Il y a beaucoup de monde autour de ce feu. C'est un grand feu, il y a beaucoup de monde. À un moment donné, il y a une branche qui craque sous tes pas. Et là, autour du feu, il y a des gens qui repèrent ta présence. Il y a trois de ces personnes qui se lèvent là. Mais tu sais, pas avec un air menaçant, vraiment avec un air bienveillant. Ils n'ont pas peur, ils ne sont pas effrayés par le bruit, par ce que tu pourrais apporter. Et ces trois personnes-là, je ne sais pas qui elles sont. Ce qui est intéressant, c'est qui elles sont pour toi. Observe-les, regarde
les détails de leurs vêtements, comment ils ou elles sont habillés, leur stature, les attributs de leur fonction ou de leur énergie, de ce qu'ils sont. Et là, il s'approche encore et te disent, tiens, bienvenue au grand feu de la vie. Nous, on est là pour t'animer si tu le désires. Alors, il y a le premier qui s'approche. Et tu l'observes, le premier ou la première, tu l'observes. Et il se passe quelque chose d'un peu étrange. Et en même temps, ça ne te semble pas tellement étrange parce que tu remarques que dans ce monde-là, c'est dans l'ordre des possibilités. Tu es comme aspiré à l'intérieur de cette personne. Et tu vois les choses avec ses yeux, avec son énergie propre. Tu vois comment cette énergie l'anime, tu la ressens. Tu entends ce qu'elle entend. Tu perçois comment elle voit le monde, comment elle le ressent, comment elle interagit avec le monde. Et elle te propose de garder une partie de cette énergie en toi et de pouvoir y revenir après si elle te convient, si c'est quelque chose que tu apprécies. Et puis, il se passe la même chose avec la deuxième personne. Tu sens d'un coup comme aspiré à l'intérieur et d'un coup, ton regard change, ta sensation change. Ton rapport au sol, la manière dont tu es posé sur le sol, la manière avec laquelle tu peux ressentir l'air et le monde autour de toi change. Tu remarques que tes croyances changent aussi, que ton énergie est différente. Et tu te laisses un moment expérimenter cette énergie différente de la tienne. Tu peux percevoir à travers ça tout ce qui est bon pour toi, tout ce que tu pourrais en faire. Comment cette énergie différente pourrait t'animer? Comment elle pourrait te permettre de vivre ces moments différemment? Et puis à un moment donné, naturellement, tu reviens dans ton corps et la troisième personne s'avance. Et la même chose se passe. Tu passes dans l'énergie de cette troisième personne et tu vois, tu ressens, tu entends le monde différemment. Avec l'énergie propre à cette personne. Tu ressens comment elle envisage le monde. Tu vois comment elle anime son énergie propre. Et quand tu t'es bien imprégné de tout ça, tu peux juste revenir à toi-même et te demander quelle est l'énergie qui te conviendrait le mieux pour le moment. Et puisqu'elles sont en toi, que tu les as reconnues, ça va être très facile de t'y connecter quand tu le voudras. Et de les explorer. Et donc voilà un petit exercice qui peut être sympathique. On peut se souvenir aussi que chacun de ces héros, avant d'être un héros, était une personne ordinaire. Le petit poucet, s'il n'avait pas été perdu dans les bois, on n'aurait jamais entendu parler de lui. Le petit chaperon rouge, si son chemin avait été sans encombre, on n'aurait jamais parlé d'elle. Chaque héros est un héros parce qu'il est confronté à des circonstances extraordinaires. Et pour le moment, nous sommes en train de vivre des circonstances extraordinaires. Alors, on peut se demander quel est le héros que nous avons envie de mobiliser, quelle est l'énergie de héros que nous avons envie de mobiliser en nous.
Je trouve que c'est vraiment un exercice magique. Ben ouais, je l'ai fait, forcément, je l'ai fait en même temps. Et dans ce que tu disais, c'est un héros est un héros parce qu'il a agi d'une certaine manière à un moment donné devant une situation. Ce n'est pas tellement la situation, ce qui lui arrive, parce que probablement c'est déjà arrivé à des milliers, voire des centaines de milliers, voire voilà, des millions de personnes, mais c'est comment il a créé son histoire en fonction de comment il a réagi. C'est comme ça que toutes ces histoires sont nées et ça me fait beaucoup penser, je ne sais pas si tu l'as lu, mais j'aime beaucoup parler les livres et donc je fais une petite parenthèse, cet exercice m'a beaucoup fait penser à un des derniers livres que j'ai lu qui est juste extraordinaire, c'est La boîte de Pandore de Bernard Werber. Ah oui, j'aime beaucoup Bernard Weber. Ouais. Ben, c'est La boîte de Pandore parle en fait des vies antérieures. Et de ce et donc il a la capacité d'aller retrouver ses vies antérieures et de ressentir ce que la personne ressent. Et de voir avec quoi, dans cette vie-ci, il est revenu. Donc voilà, je n'en dis pas plus pour te laisser le plaisir, vous laisser le plaisir de déguster ce livre, mais voilà, c'est vraiment un exercice, je trouve, excessivement puissant quand tu le fais. Donc mille merci pour ce bel exercice qu'on peut faire et refaire d'ailleurs, hein. Allons-y. Absolument, absolument. Le temps passe vite quand on s'amuse et qu'on est en plus en agréable compagnie. Est-ce que tu souhaiterais ajouter soit un conseil, une astuce, un outil, peu importe, par rapport à tout ce que tu nous déjà, tout ce que, toutes les pépites que tu nous as déjà révélées, toute la magie dont tu nous as déjà fait part depuis le début de ce rendez-vous. J'ai envie de peut-être de terminer cet entretien un petit peu comme je l'ai commencé en revenant au symbole et peut-être au cercle. En fait, j'ai découvert que dans cette quête, c'est un petit peu comme si la quête était circulaire, c'est-à-dire qu'on part en quête, on rencontre des mentors, on développe des nouvelles capacités. On affronte des ennemis, à la fin on affronte un dragon, et puis on revient avec un trésor. Ce trésor, c'est une nouvelle partie de soi. Et puis on recommence un nouveau cercle. Et au niveau des étapes, c'est le même cercle. Sauf que nous, on n'est plus le même. Et en fin de compte, le but, c'est que quand on aura parcouru un certain nombre de fois ce cercle, on devient le cercle. Je me dis, voilà, pour le coup, j'ai toujours quelque chose à répondre, mais là. Donc, je ne vais rien répondre. Je vais te remercier de tout cœur. Je vais nous laisser cogiter sur le cercle, sur les solutions d'aujourd'hui, sur les problèmes de demain, sur la souffrance qui provient de ce à quoi on résiste. En bref, sur les archétypes, enfin, sur tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. C'était super riche. Si vous voulez en savoir plus sur Christophe, rendez-vous sur la page du sommet qui est sur Christophe Godfrio. Il y a un petit bouton qui est Christophe. Vous appuyez dessus et derrière, vous avez une belle page de présentation avec tout ce que ce magnifique magicien a accompli et des liens pour le suivre et voir un petit peu découvrir son univers un petit peu plus en avant. Donc, mille merci Christophe pour ce beau partage, cette belle heure hyper riche d'apprentissage. Je ne le dirai jamais assez. Je vais arrêter parce que là, je me répète, mais je te remercie mille fois et te dis de toute façon à très bientôt. Merci à toi pour cette belle initiative et merci pour qui tu es.